Pour nous, c'est une première occasion de rencontrer le public et de leur présenter notre version finale d'Olem. C'est une première occasion d'avoir leur retour sur ce qu'ils pensent de nos jeux, de notre concept, de notre produit, et vraiment de leur montrer physiquement à quoi peut ressembler Olem, ce qu'on n'avait pas l'occasion de faire pendant le confinement. On a rencontré à la fois des partenaires techniques pour nous aider à continuer le développement de notre produit. On a aussi rencontré juste des clients qui sont prêts à acheter. On a pu récupérer le contact d'investisseurs, même si on n'a pas encore pu aller plus loin avec eux. Mais c'était vraiment l'occasion pour nous de voir des acteurs techniques qui ont des idées, qui ont des innovations, qui peuvent nous permettre d'aller plus loin dans notre produit. C'est une opportunité, oui, de découvrir des partenaires vraiment business qu'on n'aurait pas pu voir sur le salon parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de choses à voir, et c'est une façon aussi de filtrer un peu qui on rencontre, de rencontrer plus de gens finalement qu'on n'aurait vraiment pas eu le temps d'approcher en temps normal. Donc oui, on a pu rencontrer surtout des partenaires techniques.